Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue sur Yonsopon, nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui. Si vous allez bien, que vous êtes en très bonne santé, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre témoin puissant. Un témoin puissant qui sera en relation avec tout ce que vous voyez à l'écran, mes frères et sœurs, regardez ça. Que voyez-vous? On voit une très jolie femme. Elle est jolie, mais qu'est-ce qui se passe? Elle-même, elle est tentée d'observer quelque chose qui se passe juste à l'avant. Regardez de l'autre côté là-bas. Vous voyez là-bas? On voit un homme qui jette carrément. Il jette un truc dans l'eau. Et lui, il croit chercher à capturer un gros poisson. Oh! Il y a un poisson humain qui est en dessous. Mais regardez vous-même. Voyez-vous ça? Dis à ton ami qu'à côté, ça m'étonne. Comment c'est possible? La question que tu vas vous allez vous poser, c'est comment les humains ont-ils pu imaginer une telle scène, une telle situation? Comment c'est possible? Mes frères et sœurs, ce qui se passe dans le monde des esprits, c'est ce qui affecte notre monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable a décidé d'utiliser les femmes comme des images pour bouleverser l'esprit des hommes, afin que dans leur tête, ce soit que du sexe, 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 sexe. Et comment le diable utilise les réseaux sociaux aussi contre nous. Tout sera dit dans cette vidéo, mais il y aura une deuxième partie. Et dans la partie 2, qui apparaîtra là-dessus, il y a ce rebond ici, jusqu'en dessous de cette vidéo, juste à la fin de cette vidéo. Vous allez voir dans cette deuxième partie, ce qui va se passer par la suite. Mais déjà, ce que nous allons entendre ici, dans cette première partie, ça va vraiment vous étonner. Puisque c'est un témoin qui parle des démons, des anges, tout ça, et du diable, une réunion qui s'est passée dans le royaume du diable, nous allons donc prier, écoutez, nous allons prier, demander à Dieu lui-même de nous soutenir, de nous aider, de nous guider de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est le début des témoins puissants. Si c'est bon, alors mes frères et sœurs, soyez prêts. Bien, sans plus tarder, nous allons fermer les yeux et prier. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous assister aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et prends le contrôle de tout. Viens et positionne-toi dans toute l'atmosphère de ton Saint-Esprit. Sois là pour nous guider. Que ta parole soit de notre bouche. Et que toi-même, tu sois au centre de nos affaires. Et que toi-même, tu nous aides à marcher selon ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Guide-nous. Ne n'est pas fait. Pardonne-nous nos péchés. Aide-nous nos familles. Et tout ce qui n'est pas de toi en nous, sortez. Amen. Applaudissements, mes frères et sœurs. Applaudissements, mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous fera découvrir des choses hors du commun qui vont nous aider à bien marcher dans notre vie, même aller au paradis. Ça, c'est une bonne affaire. Écoutons, s'il vous plaît. Mais avant d'écouter, comptons ensemble jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est parti. Le diable dit, j'aimerais me servir d'une image qui attire. Ok. Quoi? Le diable dit quoi? Le diable dit qu'il aimerait se servir d'une image qui attire, c'est-à-dire un truc pareil, ça attire. Faites attention. C'est ça le premier commandement. Le premier commandement. Le premier commandement de Satan, c'est l'image qui attire. Ok. Ici, le diable va se servir de l'imagerie. Il dit, dans la loi de l'autre là, on parle, on interdit une image de quelque chose qui est dans les cieux, quelque chose qui est en bas sur la terre, et quelque chose étant dans l'eau. Et il dit, le maître de fidèle de l'autre monde là, dont j'ai compris qu'il parlait de l'église et du Seigneur, a interdit à ses fidèles de ne pas servir les images d'en haut, d'en bas
et sous la mer. Mm-hmm. Il dit, c'est par ici que notre premier commandement commence. Ok. Satan parle, il dit, l'image a de l'impact sur l'esprit des humains. Mm. Pour les avoir, je vous donne l'ordre, vous mes agents, multipliez les images qui auront de l'impact sur leur esprit. Donc le diable veut que chaque jour sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des femmes qui exposent leur nudité. Quoi? Eh bien j'hallucine ou quoi? Ça veut dire que nous devons faire attention, nous devons faire attention. Et les clips, aïe 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 aïe. Là même c'est chaud. Si vous allez voir les derniers clips sortis en tendance ces temps-ci, vous aurez même peur. Mettez ainsi une puissance sur les images, afin qu'elles attirent toujours les humains. Mmh. Et dans la salle des réunions, tout le monde écoutait. Mmh. Il dit, maintenant, je vous envoie sous la mer. Okay. Et il a choisi une trentaine de démons. Mmh. C'était pour moi ma deuxième entrée sous la mer. Okay. Il dit, allez encore. Mmh. Ma servante que vous avez vue autrefois. Oui. Et là, elle va vous donner, là, il s'adressait aux démons. Oui. Quelque chose pour moi. Une trentaine de démons s'est dirigée vers la mer. Ok. Et là, pour la deuxième fois, j'ai vu encore des sirènes. Mm. Je vous ai donné des noms, oui, tels que Lamatsu. Oui. D'abord, je commence par élever un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Mm-hmm. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Amen. Au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Et nous disons, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mm. Bien-aimés, et là, nous sommes entrés sous la mer. Nous avons quitté la salle des réunions. Okay. Nous sommes entrés sous la mer. Et j'ai vu la maîtresse des sirènes, du nom de Lamatsu, en train de collectionner la boue qui est sous la mer. Okay. Et par une formule magique, cette boue s'est transformée sur base de quelques paroles que Lamatsu était en train de parler, pendant qu'elle était en train de remuer la boue qui est sous la mer, après l'avoir collectionnée. Elle a parlé en une langue inconnue, et le monstre sous-marin, le Léviathan, s'est servi aussi de sa queue. Okay. De son côté, il a collectionné aussi la boue qui était sous la mer. Okay. Moi, j'étais là toujours inaperçu. Vous étiez là avec l'ange, Berger Moïse. L'ange m'a accompagné jusque sous la mer. Waouh. Je vous assure. Ok. Et après ça, on a fabriqué les objets de beauté pour la deuxième fois. Et le diable a, qu'est-ce que j'ai dit, la trentaine des démons a pris ces objets de beauté en tonnes et en tonnes pour les amener dans la salle des réunions. Ok. Nous sommes arrivés à la salle des réunions. Et quand Satan a vu ça, il était très content. Mon Dieu. Pour la première fois, j'ai vu que Satan était content. On va découvrir pourquoi il était content. Oui. Ok. Et maintenant, on lui a présenté ses objets de beauté. Il a dit, je commence d'abord par les travailler. Ok. Il a commencé à dire des paroles sur ses objets de beauté. Et il dit, tout être humain qui va se servir de ces objets de beauté sur la terre, quand on va envier toute femme qui aura notre beauté, mon Dieu, à partir de nos objets de beauté, Jésus, tout celui qui va envier notre beauté sous-marine marine, sera automatiquement souillé. Waouh. Le fait seulement d'envier, on devient souillé. On devient souillé. Ok. Et quand on envie seulement, ce n'est pas une beauté naturelle. Il insiste, il dit, ça, c'est notre beauté. Waouh. Une beauté satanique. Oh, c'est bizarre. Pas une beauté naturelle, mais une beauté satanique. Artificielle. Artificielle. Oui. Pas naturel. C'est pas naturel. Ok. Et le fait d'envier quelqu'un qui a une beauté artificielle,
la personne entre directement en alliance avec le monde sous-marin. Ça, c'est terrible. Et on est souillé. Et le diable continue, il dit, par cette beauté, les humains vont développer de mauvaises pensées. Et nous allons les inciter à la sexualité. C'est ce que Satan disait. Il dit, cette beauté fera que tout le monde manque une maîtrise de soi. Mon Dieu. Quand on regarde quelqu'un dont la beauté dérive des objets fabriqués sous la mer, les candidats qui auront cette beauté, hommes et femmes, deviendront irrésistibles. Voilà. C'est ce que Satan avait dit. Le premier commandement de Satan, c'est l'image. L'image, Et dans cette imagerie, Satan veut que sur la terre, qu'il y ait des personnes irrésistibles. Mon Dieu. C'est ça le premier commandement de Satan. Il continue. Dans sa réunion, il dit, nous allons travailler des photos. Des photos seulement. Des photos. Et je suis étonné aujourd'hui, il y a plusieurs profils sur Facebook. Nous parlerons encore en profondeur sur Facebook. Nous allons travailler les cartes photos. Et comment nous allons nous y prendre? Il dit au démon, travaillons sur les cartes photos pour que quand quelqu'un va voir l'image d'un sexe opposé dont la nuance provient de la beauté sous-marine, publiez-les. Mon Dieu. Il a parlé de la publication. Il parle d'une publication. Et vous allez voir une image sur Facebook, sur WhatsApp, mais surtout sur Facebook. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vous pose la question, connaissez-vous peut-être? Et vous allez faire les amitiés par rapport aux attractions des images que vous voyez. Et le diable dit, à partir de ces photos, nous allons faire que, en regardant seulement la photo, un fantasme anormal se crée. Sur les champs. Connaissez-vous ce qu'on appelle fantasme? Expliquez-nous, Berger Moïse. Le fantasme, d'après le diable, c'est un appétit sexuel. Maintenant, juste par une photo, Seigneur Jésus, je me rappelle de cette réunion. Juste par une photo, vous avez de l'appétit sexuel. Mon Dieu. Et les gens vont commencer, permettez-moi le terme, à se masturber avec des photos. Berger Moïse. Quoi, vous avez entendu ça? Mes frères et sœurs, danger. Donc le diable va utiliser la beauté des femmes sirènes pour les envoyer sur la terre ici et séduire toutes femmes ici afin qu'elles puissent les prendre et se positionner sur elles et qu'au final elles deviennent irrésistibles. De sorte que nous, les vrais garçons, nous puissions juste les regarder comme ça avec leur beauté artificielle et qu'on puisse les aimer. Et dès qu'on commence à aimer ça, dès qu'on commence à kiffer cette histoire, tout de suite on devient pécheur et ça devient un problème pour nous. Donc on parle de l'imagerie. Il veut toujours créer cette image qu'on a de la femme. Les femmes dans une telle position, elles sont comme ça, elles sont comme ceci. Mais regardez le camp, regardez comme cette femme sirène est là-bas. Regardez comment elle a fait. Regardez le milieu de sa poitrine. On voit carrément quelque chose que les gens appellent sexy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on voit une femme qui est sexy, c'est que c'est pas une bonne affaire. C'est que c'est pas une bonne histoire. Voir une femme sexy et la désirer, même chercher, même à aller faire les choses avec elle, c'est un problème. Par la suite, dans la deuxième partie de cette vidéo qui apparaîtra sur le camp ici, dès que ce sera disponible, vous allez cliquer là-dessus. Dans cette deuxième partie-là, nous allons voir comment le diable inspire les gens à créer des vêtements sexy, des vêtements de mode. Et pas seulement ça, nous allons voir par la suite aussi
comment le diable souffle des vents chauds sur les filles à la plage, de sorte qu'elles puissent tous se habiller de façon à séduire les gens. Elle en bikini, elle est habillée en string, tous ses vêtements bizarres. Nous allons tout voir ici et tout ce qui est caché derrière nous sera révélé. Vous serez même surpris, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez pas de cliquer sur cette vidéo qui apparaîtra juste en dessous de cette vidéo sur l'écran. C'est-à-dire sur l'écran ici, en dessous du lien, ce que vous voyez. Cliquez là-dessus pour avoir accès à la partie 2 dès qu'elle sera disponible. Restez connectés donc. Et abonnez-vous et partagez cette vidéo. Mais waouh! Regardez l'écran, mes frères et sœurs. Ces genres de choses sont maintenant plus réelles que réelles.